Bonjour, bonjour! Et voilà, l'album est terminé. Donc, je l'ai fait avec la collection Romantic Christmas de Stamperia. J'ai utilisé une collection 30-30 et une collection 20-20. Et c'est un album relativement petit, un peu déstructuré, pour un petit cadeau de Noël, sans que ce soit quelque chose de, que ce soit un gros projet. C'est des alors petit, oui, c'est vrai que si vous voyez le format, vous avez l'impression qu'il est grand. Non, il est petit dans le sens que à l'intérieur, il y a peu de pages, il y a que deux blocs, il y a quatre pages. Et donc moins de photos que d'habitude. Il est grand en format parce que j'ai voulu utiliser le calendrier de l'Avent qu'il avait dans la collection 30-30. Et c'est pour ça qu'il fait grand, mais à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Ce sont les petits albums que j'ai prévu de vous montrer, de vous faire pour Noël, pour faire des cadeaux à vos amis ou à votre famille. Alors, sur la couverture, j'ai utilisé donc cette page où il y a le calendrier de l'Avent. Donc j'ai rajouté bien entendu des petites choses à moi, c'est-à-dire que vous voyez, il y a des petites étoiles qui brillent pour faire comme s'il y avait des petites poignées. Et à l'intérieur de chaque fenêtre, ben, évidemment, j'ai collé la petite surprise qu'il y a à l'intérieur. Un travail de titan, de patience, un gros travail de patience, hein, voilà. Donc très bien, on a bien, enfin moi je me suis bien amusée parce que j'ai mis derrière mon papier, j'ai collé un autre papier là où j'avais mis toutes les petites fenêtres là justement pour que ce soit bien en face. Donc si vous voulez, mon papier il est doublé pour pouvoir coller tout ce qu'il y a derrière. Ensuite, j'ai fait des petites gouttes avec les petits nouveaux là, les drops nouveaux. Et donc j'ai fait comme si la neige tombait sur la page. Donc il y a des petites taches un peu de temps en temps et un peu partout. Et ensuite j'ai passé mon fameux stylo pailleté sur tout ce qui est neige. Alors évidemment sur la vidéo on voit rien, ça c'est toujours comme ça. Voilà, mais bon, tous les endroits où il y a de la neige, ça brille et il y a des paillettes. Alors, sur la tranche, j'ai découpé deux dailles serrure plus une petite étiquette. J'ai voulu jouer sur le doré parce que sur le papier, il y a quand même pas mal de doré qui n'est pas brillant, qui est mat. Donc, j'ai utilisé du doré mat. J'ai recouvert ma tranche de Skyvertex rouge et j'ai souligné mes couvertures avec un petit liseré doré, c'est du papier collé. J'ai fait pareil sur mes angles ici pour souligner les angles. Et de l'autre côté, j'ai fait pareil. J'ai souligné la séparation entre le Skyvertex et le papier. J'ai fait mes petits angles ici aussi. Et j'ai passé du glossy sur certains éléments du coucou. Alors, la pomme de pin, là, le petit oiseau, là, le petit oiseau, le nœud et toutes les baies rouges que j'ai passées au glossy, vous voyez, ça brille, ça fait un relief et ça brille. Ce coucou, il est magnifique. Je voulais le mettre en avant sur ma couverture. Voilà, il est fermé donc par deux petits anneaux Tim Holtz. Ce sont des brads en fait qui sont plantés dans la couverture et j'y ai attaché un petit ruban doré pour rester dans le doré pailleté. Voilà. Alors, on l'ouvre. Sur la première page, ici, couverture, j'ai joué beaucoup sur les petits mots aussi. Hein. J'ai mis beaucoup de petits mots spécial Noël. Ce ne sont pas des tampons, ce sont des étiquettes que j'ai faites sur Word avec l'écriture que j'avais utilisée pour les fables de La Fontaine. Je crois que c'est Jokerman, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est la même écriture que j'avais utilisée pour les fables, pour l'album des fables. Donc j'ai utilisé tous les stickers, tous les die-cuts qui étaient sur les couvertures, que ce soit les couvertures 20-20 ou les couvertures 30-30, j'ai tout découpé et j'ai fait des petites compositions décorées un peu partout avec les tampons. Alors ici,
Ça s'ouvre comme ceci. On a deux emplacements photo plus ici un emplacement photo. Alors, je vais vous sortir ma photo et je vais vous montrer chaque fois qu'on peut mettre la photo à la fois verticale en portrait ou en paysage. On peut mettre les deux sortes. Et là, j'ai mis une étiquette, pareil, travaillée de la collection pour pouvoir glisser la photo dessous. Et là, j'ai mis, il y avait un petit livret comme ceci pour faire du journaling parce que dans cet album, j'ai mis beaucoup de tags pour faire du journaling puisque ce sont des albums où on aime bien raconter tout ce qui s'est passé lors des repas de fin d'année. Alors, le premier bloc, vous voyez, est plus petit que le deuxième. On a un bloc plus petit, un bloc ici un peu plus grand. Donc, vous voyez, il est déstructuré. Alors, ce bloc-ci, il s'ouvre comme ceci, avec une pochette et une carte photo à l'intérieur, comme ceci, avec un petit mot Noël en famille. Ici, on a une petite enveloppe gadget que je me suis régalée à faire pour mettre deux petites étiquettes à l'intérieur. Ça, c'est gadget, hein, c'est juste pour s'amuser. Elle est collée en charnière avec un petit sapin que j'ai découpé dans la collection et elle est aimantée. Ici, le Père Noël a pensé à toi. Ça s'ouvre comme ceci. Et donc ici, on va retrouver les fameux tags. Donc là, ce sont les tags que j'ai découpés sur la couverture de la page de la collection 30-30. Et j'ai fait, pour faire du journaling, je les ai mis avec... j'ai collé du blanc derrière pour pouvoir écrire. Et ici, c'est un emplacement photo que j'ai matérialisé avec une petite étiquette et le petit globe avec les petits enfants sur la luge. Voilà. Donc ça, c'est matérialisé avec le tag. Ensuite, ici, vous avez une pochette découpée. J'ai suivi le papier. Et à l'intérieur de cette pochette, il y a deux photos, deux cartes où on peut mettre les photos. Et vous voyez, j'ai joué également sur le papier doré. J'ai souligné presque toutes mes pages avec ce fameux papier doré mat pour donner un peu de brillance et donner un cœur de fête. Voilà, de l'autre côté, il y a une pochette encore comme ceci avec un livret à l'intérieur. Livret qui y était, hein. Bon, on avait ce livret dans la collection 30-30. Je me suis simplement contentée de le mettre en livret comme ceci pour mettre des photos. Ici, une grande page pour pouvoir mettre des agrandissements parce que je dis toujours dans des cas de repas de fin d'année, de fêtes, de famille, etc. On aime bien au moins une fois agrandir une photo pour avoir un joli souvenir. Donc, j'ai collé le renne et la biche découpées et ici, vous avez la place d'une grande photo avec une histoire de Noël. Donc, ça se ferme comme ceci et comme cela. Donc, ce petit bloc de l'autre côté est formé donc avec deux rabats, un en bas, un en haut. Donc, emplacement photo. Ici, pareil, emplacement photo. Vous savez qu'on peut toujours, dans ces cas-là, coller une photo comme ça. Il n'y a pas de souci. Ici, doux souvenir. Ici, magique. Et sur la partie qui ferme dessus, il y a une carte qui s'ouvre. Donc là, vous avez deux emplacements photos supplémentaires. À Noël, tous les chemins mènent à la maison. Et j'ai décoré, évidemment, toujours avec les petits die-cuts que j'ai trouvés. Celui-là aussi, et les gros collés par-dessus. Enfin, je me suis amusée avec les die-cuts qu'il y avait. Alors ici, on retrouve donc le grand bloc. Ici, donc, c'est la fameuse petite fille. Ça, c'est la collection 30-30. J'ai recollé par-dessus une chaussette de Noël, puisqu'elle est en train de faire sa lessive de chaussettes de Noël. Là, j'en ai rajouté une en relief. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, emplacement photo. Ici, j'ai rajouté la petite branche avec les oiseaux ici en haut. J'ai ici aussi rajouté une petite décoration. Et ici, vous avez la place d'une photo en portrait. Ça s'ouvre comme ceci.
Donc ici, on a une carte glissée dans la petite image. Donc là, pareil, encore deux photos au fil des jours. Ici, nous avons deux pochettes, mais cette fois séparées. Donc une pochette ici, une pochette ici, qui s'articule vers la gauche et avec à l'intérieur la carte photo et un tag pour le journaling. Chaque fois, j'ai rajouté pour pouvoir raconter l'histoire. S'il y a des anecdotes à ne pas oublier, c'est le moment ou jamais, hein? Voilà, donc ici aussi, petit tag à l'intérieur. Ici, une pochette toute décorée avec les die-cuts de la collection Noël Magique. Et ici, à l'intérieur, un livret où j'ai mis trois espaces photos. Toujours surligné avec ce petit liseré doré que j'ai voulu mettre un peu partout pour justement rappeler ce côté un peu festif. On ferme comme ceci. Ensuite, dernière page. Donc ici, on a l'ouverture. Alors là, boule guirlande, ça c'est rapporté, hein, c'est collé. On retrouve le coucou de la couverture. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Ici, j'ai fait toute une un assemblage de die-cut que j'ai découpé dans la collection pour pouvoir y glisser la carte photo derrière et pouvoir y mettre deux photos supplémentaires. Voilà. Ici, la pochette tag pour pouvoir faire du journaling, toujours pareil, hein? Voilà. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Bon, ici, j'ai remis cette petite fille que j'adore. Et ici, encore une composition de décoration avec les die-cuts, hein, la cheminée, les petites chaussettes. Là, j'ai rajouté un nœud. Là, j'ai mis la petite niche avec le petit oiseau. Et là, c'est le sucre d'orge avec la petite décoration nœud et branche. Et donc, ici, extraordinaire Noël. On a la place, bien entendu, de glisser encore la carte à l'intérieur, sachant que toujours pareil, dans ces pages-là, on peut rajouter une photo derrière en paysage. Chaque fois, il y a quand même pas mal d'espace photo. Vous savez que moi, quand je fais des albums, il me faut de la place pour mettre les photos. C'est bien beau de faire du joli travail et de faire des décorations, mais il faut quand même la place des photos. Et donc sur la dernière page, on retrouve la même configuration. J'ai utilisé le village qu'il y avait sur la collection 30-30. Et donc on retrouve la même configuration, c'est-à-dire l'emplacement de deux photos. Ici, le tag de journaling pour pouvoir raconter les histoires et glisser une photo dessous la petite image et tampons et petite décoration. Voilà. Eh bien, vous voyez, c'est un album. On va compter les photos puisque il faut que je sache pour marquer dans la description combien on peut mettre de photos. Donc ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Allez, je ne la compte pas celle-là. 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37. Ben, vous voyez, on peut mettre une quarantaine de photos. C'est quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de place pour un petit album comme ça. Je trouve que c'est 40 photos, c'est parfait pour un repas, une journée, une soirée, un réveillon. 40 photos, c'est parfait. Voilà.
Donc, on refait notre petit nœud de fermeture avec les anneaux, avec notre petit galon doré, pailleté. Voilà. Donc, ici, on a un album pour Noël. Voilà, mesdames, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous inspirera. Et surtout, j'espère que quelqu'un sera intéressé parce qu'évidemment, il est à vendre. Voilà, je vous le propose à vous de disposer. Allez, merci beaucoup. En tout cas, c'était du plaisir. Encore un joli papier. J'ai encore une collection 30-30 et une collection 20-20. Je vais donc pouvoir en faire un autre ou faire d'autres projets. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir tout le monde.